C'est la tienne, Étienne. Donc là, mesdames, messieurs, c'est Étienne qui nous sert un vin. Là, c'est la Champions League. Ah bon, qui sert quoi. Ah, il sert du vin. Un vin rouge. C'est tellement évident, rien connaît, c'est évident. Alex, il faut que tu filmes Aurélie parce que depuis tout à l'heure, elle est sûre d'elle. Il n'y a pas de bois. Il n'y a pas d'évolution. C'est jeune. C'est pas du gamay. C'est jeune. C'est pas du gamay. C'est sur œuf béton, à mon avis. Elle est. C'est granitique, peut-être, même. Et j'adore. J'adore. Hyper bon. 100 euros, ça donne quoi ce vin? C'est lardé à fond. Donc du coup, ça fait penser à des syrahs. Mais ça va pas forcément être ça. Mais ça larde à mort. Ah ouais, si, c'est lard à fond. J'adore le nez. Le nez, t'inquiète. Ça larde à mort. Ah, ça donne envie. Ah, bien. Bah ouais. Le nez est vraiment dingue. T'as envie de manger, bah, très chaud. C'est fin en fait, c'est élancé. C'est pas. Il nous a mis quelques années là. Mais c'est fin, hein. C'est vraiment... Et long, ouais. Et long quand même. Il est pas très chaud. Bon, c'est un pétard. La bouche est super fine en fait. C'est ce petit compoté de fruits acides qui est très charmant, qui est réconfortant. J'adore. Mais c'est vrai, c'est une petite complexité de malade. Toi, Aurélien, oui, émotion un peu, ça te fait pas. Déjà, il y a grosse émotion. Ouais, ça te plaît, toi. Il y a grosse émotion, le côté viandard, direct au nez, sanguin, ça donne trop envie, quoi. Mais avec un côté champignon. Et je sais pas, la syrah, je suis pas si sûr. Peut-être un côté truffe, bon, bref. Ouais, en fait, arômes tertiaires. Les arômes tertiaires. Ouais, mais je suis pas sûr, frais quand même. Toi, bébé, en termes d'émotion, là, c'est quoi? Moi, tu partirais sur la syrah, toi? Moi, je ne partirais pas sur de la syrah. Et en fait, j'adore ces vins où la bouche est différente du nez. Et le nez est très expressif, très, très présent. Et en fait, la bouche est super fine. Non, c'est un très, très grand canon, ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un canon qui a quelques années, ça. Oh oui. Oh oui. J'ai un nez très rond. Très, 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 très lard, comme ils disent depuis tout à l'heure. La bouche, ça n'a rien à voir. Etienne, est-ce que t'es content de nous boire ce vin, toi? Ah oui, je suis très très content. Des fois, on peut être un peu déçu par le propre vin qu'on amène. Non, non. Moi, je vais partir sur... Pierre, on est sur quoi, alors? Pinot 2006. Ouais, mon gars. Moi, je suis un psychopathe. Bravo. 2014. C'est une info ? Ça a été confirmé par Étienne. 2014. Ouais. C'est de la syrah, c'est de la syrah. Filou est à 800 km, moi j'ai 10 ans. On est sur une appellation. Moi j'aurais dit syrah, mais. C'est une syrah. C'est une syrah, moi je dirais. C'est une syrah, je sais pas ce que c'est une syrah. Côte-Rôti. Moi j'ai dit Côte-Rôti aussi. Putain, on a dit pareil. Et pourquoi pas un Hermitage, les gars ? Bon, c'est de la syrah. Qui vote pour la syrah ? Moi, je viens Syrah de Stéphane. Côte-Rôti, Syrah. Non, c'est pas la maison Stéphane. Ça passe, c'est de sa propre. Non, mais c'est de la Syrah. Je sais pas, moi, je sais pas de vigneron, mais Côte-Rôti. C'est de la Syrah. Nous sommes que des passeurs d'émotions. C'est un back-to, mon gars. Bravo. Merci, Étienne. Je trouve ça incroyable. Parce que, en fait, les cornas sont souvent l'image de vin un peu rustique, chasseur. Et Mathieu Barret fait le truc où il y a quand même toujours une notion un peu juteuse dans les jus. Mais on était quand même assez... réunis sur l'idée de la syrah et franchement c'est trop bon. Et il a 8 ans et l'évolution et le vin il va encore évoluer. Bon là c'est trop tard, mais il va lui en vin est dingue. Moi j'avais dit Pinot. Ça t'avais dit quoi toi? Moi j'avais dit Syrah. J'avais dit Syrah. Moi j'aime les petits millésimes, les millésimes frais, les millésimes difficiles, moi c'est
c'est difficile, toi. Ouais. Voilà, les amis, c'était on n'y connaît rien. On a bu un match barré pour la 2014 grâce à Étienne. Et on s'est régalé. Et là, c'est quoi la musique? Bravo! Allez, santé! Et on n'y connaît rien, mais. Bravo à tout le monde! On y aime bien! On n'y connaît rien, mais on y aime bien! Merci! Mais de rien! Mais de rien!